21h minuit sur Énergie, en podcast sur énergie.fr. Bah, les infos foot. Bah oui, oui. Bah, je vais couper alors que je suis en train de le faire. Une espèce de petit récap au niveau des transferts. On va commencer par Auxerre. On va pas tous les faire évidemment parce qu'il y en a qui ont rien acheté. Il y a Auxerre qui a acheté Munteanu, Oliech, Popov et Kersia. Popov. Il s'appelle Popov. Hein. Popov. C'est-à-dire qu'ils ont acheté que des noms improbables. Et donc Le Sage est parti au Havre et Maolida à Lens. Sinon il y a Grandin donc qui est parti de Caen pour aller à Marseille. Zubar qui est donc le frère de Ronald Zubar le Marseillais qui a été prêté au FC Brussels. Ils en ont bien besoin. Sinon oui, au Mans, c'est d'une équipe qu'ils ont besoin à Brussels. Au Mans, il y a Adenon, Ben Frey, Guéder et Marcos Polo qui sont arrivés. Et, Marcos Polo, c'est vrai. Et il y a Demelo qui sera à Palerme à partir de juin 2008. Et c'est Marcos Polo, s'il jouait à Vasco de Gama. Non, il joue à Caldense. Okay. Je sais pas du tout où c'est. Les Lensois donc ont accueilli Belage le Lyonnais et en prêt aussi de Lyon Loïc Rémy. Il y a aussi Mavouba qui est arrivé de Villarreal. Ça, c'est par contre c'est pour les Lillois et Fro du Paris Saint-Germain qui est arrivé aussi à Lille. Lyon, Boumsong de la Juve vient d'arriver. Il est arrivé il y a 3 jours quoi. Crozas qui a été prêté par le Barça, Delgado l'attaquant de Cruz Azul et Ederson qui sera là en, on va dire en juin 2008. Excusez-moi, ça fait déjà une paye hein. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, tu vas encore faire un roux là? Ah là ça y est. C'est la bouche du roux. Ça fait longtemps hein, mais je fais juste un récap parce qu'évidemment c'était hier le dernier jour des transferts et donc on voit un peu tout ce qui s'est passé pendant ce mois. Marseille donc a acheté Akalé, Grandin, Caboret de Liban de Saint-Seurin et Croupo Viessa. Gros joueur hein. Marseille à Calais donc. Marseille à Calais c'est ouais. Vrai. Mais si c'est relancé donc ça va. Monaco qui a acheté Almiron, Fabio Santos, Gonzalez, John Leight, Poklivac. Enfin c'est que des mecs qui ont. Attends, c'est qui a acheté tout ça? C'est Monaco. Enfin il y a 5 même... joueurs là. Non il y a 3 prêts. Il y a 3 prêts quand même. Il y a 5 joueurs. Enfin bon ça va quand même faire bien tourner effectif. Oui oui ça va. Les Niçois donc ont acheté Bamogo définitivement, Sid de Bolton, Al Yaya de Sedan et donc le PSG qui a acheté Verton Santos des Corinthians, Oaro qui arrivera en juin 2008 au Havre et Souza de Sao Paulo. Voilà Rennes qui a après Rennes c'est pas très intéressant, désolé pour les Rennais. Bah si les Rennais qui écoutent. Bah si ceux qui écoutent. Oui non mais je dis ça parce que ceux qui sont en Rennes ils s'en branlent du PSG. Mais oui mais écoutez-moi quand je dis ça, c'est qu'ils ont renforcé la réserve quoi en gros. Alors ils ont acheté Traoré, et Katongo de CD Primero. Mais Traoré, c'est le Traoré qu'on connaît? Non. Enfin, les Traoré, ils sont beaucoup. Comment ils s'en sortent? Ils ont tous le même nom. Bah c'est ça aussi le problème. Ils pourraient ils pourraient avoir des pseudos. Eh bah tire au Mali et tu feras une demande. D'accord. Voilà. Et donc Toulouse qui a... J'adore le nom de ce joueur qui s'est fait prêter Arrache. Voilà, c'est un joueur marseillais. Et Ratinha aussi un joueur brésilien. Sinon, vite fait, pour finir, le joueur aussi du PSG, Loris Arnaud, qui a prolongé avec Paris, même si le Real et le Barça étaient chauds sur lui. Bon, voilà, c'est un choix. Il y a Bassal, joueur du Mans, qui pourrait signer à l'OM à la fin de la saison. Et Mourinho, qui sera à Barcelone en ce moment pour négocier son contrat avec le Barça pour devenir entraîneur. Et voilà, je sais pas, c'est une info qui est tombée il y a pas très longtemps. Ah, c'est chelou. Il y a aussi Genk qui a prêté avec une option d'achat son attaquant ukrainien Anderlecht. Il s'appelle Oli Milov, là, même en ayant le nom sous les yeux, c'est impossible de savoir comment il s'appelle. Voilà. Retrouve l'émission Sans Interdit dans son intégralité sur michael.fm ou tous les soirs dès 20h sur Énergie.